C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Hustle de Juan Marcos de la Vega de la V. Non, juste Juan Marcos. Hustle, c'est un bonto avec 7 cartes. C'est une routine hyper intéressante qui peut être ajoutée à votre routine de bonto existante, notamment avant, par exemple, Stand Up Monty de Gareth Thomas. Je vous en reparlerai dans les produits similaires, mais vous savez à quel point j'aime cette routine et cet artiste. L'idée, elle est simple. Vous montrez 6 jokers, une dame de cœur. Le but, c'est de retrouver la dame de cœur. Et au final, oh mon dieu, il y a 6 dames de cœur et un joker. Les gens ne savent plus où donner de la tête. Ils applaudissent, se déshabillent, vous donnent de l'argent, vous devenez riche. Et puis, tout va bien. Hustle est vendu au prix de 29,90€ sur le site de Big Magie, comme d'habitude, vous le savez. Mais oui, je fais de la pub pour Big Magie, mais c'est grâce à eux que les avis restent ce qu'ils sont et que je peux continuer, tout simplement. Donc c'est normal que je leur fasse un petit peu de pub. Et puis vous avez évidemment le code parrain dans la description lors de votre inscription sur Big Magie pour le rentrer, que je vous parraine. Et qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'évidemment, vous pouvez pas, Alexis, tu vas me parrainer, mais qu'est-ce que ça va me faire? Je vais vous le dire tout de suite, ça va vous faire 10% sur votre première commande. Donc sur Hustle, sur 30€, ça fait 3€, mais si vous commandez pour 500€, ça va vous faire 50€ de réduction, c'est énorme. Du coup, 10% pour vous et des avantages pour moi pour avoir de nouveaux produits. Alors avec Hustle, vous recevez ce petit DVD à l'intérieur, le DVD que, évidemment, j'ai pas enlevé de mon lecteur DVD, hein, bravo Alexis. Vous avez évidemment les petites cartes truquées, en fait toutes les cartes sont fournies, vous avez une carte truquée et d'autres cartes. Alexis, tu vas spoiler le nombre de cartes totales et des autres cartes pour faire le tour. Tout est fourni en qualité bicycle, donc là vous avez zéro problème à vous faire. Je crois que le set est uniquement vendu en bicycle rouge, donc voilà, c'est à prendre en compte. Et la carte, enfin les cartes sont de qualité bicycle, donc rien à craindre niveau qualité sur le produit, c'est très bon. Le DVD est en anglais, tourné par Murphys, mais évidemment, parce que moi je me dis anglais, pourquoi pas faire une vidéo explicative en français? Et oui les amis, je fais des vidéos explicatives pour Big Magie, ça me permet de vous proposer une vidéo en français, une ressource en français pour apprendre le tour. Alors, je ne suis pas là pour me substituer à la vidéo originale de Hustle, mais j'ai envie de vous aider un petit peu pour apprendre ce tour, donc c'est pour ça que je vous propose la petite vidéo explicative, tout simplement. Donc, pour moins de 30€, vous avez une routine géniale, toutes les cartes truquées, une vidéo en français, une vidéo en anglais, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Évidemment, la vidéo en français, vous ne la payez pas, hein, c'est un bonus gratuit qui est disponible pour les acheteurs de Big Magie. La routine se fait sur table, donc je vous laisse passer à la table. Je vais changer l'angle de la caméra, vous tournez la petite vidéo, et puis on se retrouve tout de suite après. Petite démonstration de Hustle. Alors Hustle, c'est un tour qui se fait, c'est un tour de petits paquets qui, en fait, c'est un bonto avec 7 cartes. Vous allez voir ici que j'ai, je vais vous montrer les 3 premières. Ici, j'ai 3 jokers, d'accord? L'idée, elle est simple, c'est que on va laisser 3 jokers ici, et je vais vous présenter la carte indifférente. Il y a toujours une carte indifférente au bonto, parce que je vais y arriver, hein, c'est pas, je pensais au poker, mais non, c'est le bonto. Et donc la dame, c'est la carte indifférente, et les jokers, enfin il y a 3 autres jokers ici, donc ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, le but, ça va être de suivre vraiment la dame de cœur, hein. On va essayer juste de suivre la dame de cœur. Alors, regardez, on va faire un truc. À votre avis, où est la dame de cœur? Oui, ok, c'est facile, je sais, mais je pensais, bon, c'était pour vous conditionner un petit peu, on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué, on va prendre le joker ici, regardez, la dame de cœur ici. À votre avis, où est la carte indifférente? Ouais, vous n'êtes pas fait avoir, hein, la dame est là. Alors, si je veux, je peux vous faire perdre quand même, si je suis juste de claquer les doigts au-dessus des autres cartes, et là, si on regarde, oh mon dieu, toutes les cartes, c'est des dames de cœur, évidemment, sauf la carte indifférente qui était au milieu. Oh, regardez, oh mon dieu, comment ça marche, Alexis, tu es vraiment trop... Pouh! Oh là là, les manipulations, c'est gratuit, c'est pas expliqué dans la vidéo. Mais voilà la petite démo de Hustle. C'est parti pour les points négatifs. Alors, le premier point négatif de ce produit, c'est que vous allez avoir besoin d'un espace sur la table. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai posé les cartes sur mon tapis, mais si vous avez un endroit, une table un peu mouillée, les gens ils boivent un petit peu, ils renversent des verres, etc. Donc, va falloir un espace propre et relativement grand pour poser 7 cartes sur la table. Faut faire attention, mais voilà, c'est possible de le faire sur cette table. Faut juste que vous ayez l'espace, tout simplement. Donc voilà, prenez ça en compte pour savoir si vous allez pouvoir l'utiliser. Et toutes les cartes ne sont pas examinables après, mais est-ce que c'est un problème devant la profusion de dames de cœur qu'il y a à la fin? Je ne pense
pas, mais voilà, il fallait vous le dire, toutes les cartes ne sont pas examinables. Et on passe directement au point positif. J'aime énormément ce twist sur le bonto classique. On connaît tous le bonto à 3 cartes, c'est mon petit Gareth Thomas, Gareth Thomas, Gareth Thomas. Et ben là, c'est une version différente, tout simplement, avec cette carte, ça a jamais été fait, et c'est surtout pas une routine de bonto en soi, parce que le spectateur gagne tout le temps, ou pense tout le temps gagner. Les deux phases, la première, il retrouve la dame de cœur, tranquille, la deuxième, ah oh, tiens, tu as essayé de m'avoir, boum. J'aime beaucoup cette réflexion de laisser penser au spectateur que vous êtes planté, ou qu'il a compris, sans que vous n'ayez compris qu'il a compris. C'est un peu complexe, mais je pense que vous avez vu l'idée. Et ben là, c'est génial, parce que vous avez un bonto à 7 cartes, où le spectateur gagne presque à chaque fois, et vous changez les règles, et là vous lui faites un effet magique. Et c'est tellement plus intelligent que de dire « Hey, t'as perdu, t'es nul !» Et en plus t'as misé de l'argent et tu vas perdre de l'argent. Et je fais mon rire énervant. Celui-là. Voilà, tout simplement. Maintenant cette petite passade est passée. Je trouve que c'est très intelligent aussi pour amorcer une routine de bonto. Vous commencez avec cette carte, le spectateur comprend pas, il y a des cartes qui changent, il comprend. Vous lui dites non, attendez, cette carte c'est beaucoup, on va faire 3 cartes. Boum, stand up Monty, vous lui cassez le peu de dents qui lui reste. Là le mec il bouffe de la soupe pendant 2-3 jours. À la paille, évidemment, et là, c'est génial, parce que Stand Up Monty, alors autant le pour l'amener à un public, vous dites, oui, vous connaissez le bonto, vous savez, à Montmartre, sur des cartons, etc. Oui, Montmartre, parce que je suis parisien maintenant, excusez-moi du peu. Non, pas du tout, je me fais pas du tout à Paris, mais c'est pas grave, c'est une autre discussion. Là, je trouve qu'on a un effet magique, des cartes en plus, on le dit, bon, cette carte, c'est un peu compliqué, j'ai un peu triché, je dois vous l'avouer, et le fait de changer les règles, c'est aussi dans la routine de Stand Up Monty, parce que dans Stand Up Monty vous avez normalement deux cartes noires, une carte rouge au début, mais après vous changez en deux cartes rouges, une carte noire, après que des cartes rouges, que des cartes noires. Donc il y a ce changement de règles et ces changes de cartes qui se déroulent pendant Stand Up Monty et qui se sont passées pendant Hustle, donc ça fait un tout, ça connecte, et je pense que vous ne pouvez pas acheter Hustle sans Stand Up Monty, ou alors vous l'avez déjà, ce qui est fortement probable. Visuellement, c'est aussi impactant, vous avez vu 6 jokers dans votre tête, et là le magicien montre 6 dames de cœur. Visuellement, ça tape aux yeux, c'est joli, le display sur la présentation des cartes, l'emplacement, la façon dont elles sont agencées sur le tapis, c'est très très joli, et ça tape à l'œil incroyablement fort. Et puis honnêtement, c'est pas si cher. Alors c'est un tour de petit paquet, je dois vous l'avouer, mais c'est pas si cher, surtout que vous êtes, comme je vous l'ai dit, vous avez les cartes truquées qui vont bien, vous avez le DVD, vous avez la vidéo en français. Franchement, c'est honnête, honnête, honnête. J'aime beaucoup Hustle, je pensais pas du tout aimer, surtout que bah ça présage rien en fait, ça. T'as... Ouais, ok, Hustle, quoi. Hustle, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi bien un DVD sur des techniques, ça peut être aussi bien un trucage que vous devez appliquer à vos propres cartes, on ne sait pas. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup faire ces avis, parce que je découvre des produits auxquels je n'aurais jamais regardé auparavant. Du coup, Hustle, très très bon, je lui mets 3 cœurs et demi, c'est le fait d'utiliser une table qui me fait ne pas lui mettre 4 cœurs. Niveau difficulté, il n'y a pas grand chose, hein. Je pense qu'il y a des versions... Vous pouvez faire des versions encore plus faciles que celles que je vous ai montrées. Il y a un tout petit peu de manipulation dans ce que je vous ai montré, mais c'est très très light. Du coup, je lui mets 2 étoiles. Tiens, si on parlait des produits similaires, Alexis, est-ce que tu connais un produit similaire de Gareth Thomas sur le bonto qui s'appellerait Stand Up Monty? Bah oui, Stand Up Monty, je vous en ai parlé pendant toute la vidéo, mais c'est vraiment un tour qui va de pair avec Hustle. J'ai vraiment envie de dire que ça a été inventé pour Hustle, ou Hustle a été inventé pour Stand Up Monty. L'idée du bonto à 7 cartes, puis passer à 3 cartes parce que c'est trop compliqué, je trouve ça génial. Je suis assez fan de cet effet, et puis évidemment je suis amoureux de Stand Up Monty, et je pense être amoureux secrètement de Gareth Thomas, mais... Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, le lien pour voir les tours en vente est dans la description, allez voir tout ça, likez cette vidéo, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à YouTube, Facebook et Instagram, je suis sur tous ces réseaux sociaux, vous pouvez me suivre comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et puis merci à ceux qui font des dons encore, bah oui, c'est Tipeee, c'est un petit peu moins, mais vous pouvez toujours faire des dons dans la description. Merci beaucoup à vous. Et puis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.